T'es chaud? Vous êtes chaud? Chaud. On m'a dit comme jamais trop, c'est soirée spéciale 1-0. En Ah oui, mode c'est vrai, putain, je me souviens. extrait de livres là. D'ailleurs, c'est des livres d'une couleur différente à chaque fois. Ah non. Frérot, tu peux mettre le partage? Bien sûr, Magic. Mais bien Bien sûr. sûr. Mais bien sûr. Mode studio. Clac. Mode carré. T'as la cam à Carré. bugger, j'en peux plus. Je voulais Sérieux? juste te faire un gros doigt, sa mère, tu vois. Mais bah, du coup, je l'ai fait au stream, quoi. Loser. Oh, ta gueule, ferme-la. Et c'est bon, j'ai ta cam. Ah, tu me fais un gros doigt là. Ah, putain. Je peux pas déporter là si Oh, je la veux. musique t'a triste. Ah, j'adore déporter. T'adores quoi? Chine. Mon Pokémon. Attendez. Attendez, Ok, c'est pas ça. vous êtes ready? Je suis en train Ok. de. Non, attendez, attends, je suis pas sur le Bah, stream. c'est juste toi qui Vas-y. vas dire, du coup, pour l'instant. Ah non, il y a des indices. Ah, je crois. Enfin, les streams, oui, c'est moi, putain. Envie de Contre canner. son camp, genre. Envie contre mon camp, maintenant. Ah, je me lance. La malédiction de la déci. J'ai déjà envie de cut le stream là. Dans le village ancestral de Onigafushi, les gens craignaient la colère. Non mais là, il n'y a plus de respect là. Pardon. T'inquiète, t'inquiète. La malédiction, entre parenthèses, de la déci Oshino. Plus que tout au monde. Mais seuls quelques rares écrits font état des punitions divines. Quelle sympathie sur les villageois. J'ai entendu un bruit, ça fait. C'est moi. Pour autant que l'on sache, d'après la tradition orale locale, j'ai pas compris là. Elle En fait, c'est pouvait. une transition qui est transmise par la voix. Ok. Elle pouvait transformer le sol en un lac bouillant comme dans les enfers. Faire émerger j'ai des ogres depuis le marais. Ça, je connais ça. Voire même répandre le miasme des enfers sur la. Smeu, ça se dit. Ouais, pardon. Des enfers sur la population. Et les tuer tous jusqu'au dernier. On est sur Fortnite Battle Royale. Ce dernier exemple, particulièrement extrême et frappant. Je peux dire que les top 1, c'est dur à faire. Effectivement, c'est très très marquant. Ce genre de punition divine, effroyable, est un moyen souvent utilisé dans les descriptions de la fin du monde, dans de nombreuses autres religions. Et elles ne servent qu'à faire en sorte que les croyants respectent bien scrupuleusement certains principes religieux. Et j'ai oublié que j'ai pas mis mon chat sur le côté. Je suis sérieusement désolé, je vais me zaref après le stream. Ne vous inquiétez pas, je vais me zaref. Joseph? Je zaref. De Vas-y. derrière les gars, il y a aucun lag là ce stream ou pas genre? Non, ça va. Non, c'est bon. Genre Bah, pour moi, j'ai du délai. si je passe sur le dialogue. Non, c'est clean. Ah, mais C'est de toute carré. façon, tac, il y a le. On voit le petit truc qui bouge. Le Ok. curseur. Les conditions qui peuvent déclencher. Ouais, c'est vrai. Qui peuvent déclencher la colère de la déesse Shiro peuvent donc être considérées comme les tabous de la société à cette époque. C'est vrai, ça. Et lorsqu'une conduite considérée comme tabou était constatée, alors soi-disant la déesse montrait sa colère. Et pour l'apaiser, on le faisait un sacrifice rituel, comme décrit précédemment. Let's go! On savait déjà. Ouais, en fait, on a eu des trucs. En fait, ça c'est des anciens indices, mais vu qu'on a fait le jeu, Il y on a sait. peut-être moins, ouais. Ouais. Il y a peut-être moyen de. Extrait numéro 2. Ah, donc en soi, tu pourrais faire les autres indices, tu serais quand même pas perdu, quoi. Ouais. La cérémonie du sacrifice. Le rituel du sacrifice consistait très simplement à noyer une victime dans un marais qu'on considérait comme sacré. Bah, c'est juste ça. Pour la plonger symboliquement dans le marais des démons. Ce qui rend la cérémonie particulière dans le rituel constaté dans le village ancestral d'Onigafushi. C'est le fait que la victime mettait 3 jours et 3 nuits à être plongée dans les eaux du marais. Ah juste, tu imagines, ils sont encore vivants, genre? Bah Bah, oui, je du sais coup, pas. oui. Mais non, mais au bout d'un moment, si tu meurs, quoi, tu mets pas 3 jours et 3 nuits à mourir. T'imagines, frère? Putain. Élancelé. Tu dois te faire chier, hein. On pense que le point important de cette cérémonie n'était pas d'offrir une victime en sacrifice, mais de plonger sous la victime pour apaiser
La couleur de la... Bon, je parle pas japonais, je suis désolé. Sérieux? À cause de la prononciation exactement, oui, Pourtant, semblable. ta pépé, c'est un manga, là! Ok, des deux idéogrammes correspondant les croyants pensés sûrement obtenant l'un en faisant l'autre. Je dois t'expliquer que ça n'a rien à voir du coup, Magic? Bah. Bon, il faut que je te le dessine sur mon stream là. Je vais pas faire ça. Non. Il est très vraisemblable que les villageois. Ouais, c'est bon, vous inquiétez pas. On entend toute l'Afrique là, c'est quoi ça? Ça doit, on est en train de crier. Quoi? Il était très vraisemblable que les villageois devaient Non, user vous de rigolez. nombreux feux d'artifice pour faire en sorte de ne pas laisser couler la victime directement au fond de l'eau. Malheureusement, il n'existe aucun passage parmi les traces écrites connues relatives à ce village offrant une réponse à ce sujet. Tu veux dire un truc? Morto. Non, toi, De quoi? Ah Magic. non, Ok, bah ferme ta gueule. Hein. Non, voilà, je suis désolé. Ouais. Accepte mes excuses. ouais, non, c'est pas une excuse, ça. Tu me dis de fermer ma gueule. On peut imaginer que les villageois construisaient un radeau géant sur lequel ils plaçaient un échafaud. Non, sérieux? Voilà, gros, je suis pas focus, je comprends rien à la question. Non plus! Vas-y, faut qu'on focus, attends. Je vais éteindre la lumière, zombie. Oh putain, non. Oh, c'est bon, je suis dans l'ambiance. Et qu'ils attachaient la victime dans un bassin flottant qui s'enfonçait peu à peu dans l'eau avec un système de clepsydre. Clepsydre, ok. Merde. Clepsydre, petite définition, attention, c'est le mot du jour. Clepsydre. Horloge. Oh mec, c'est pas. Attention, en plus. Horloge à eau utilisée dans l'Antiquité. L'eau remplissait une cuve munie à l'intérieur d'une échelle horaire et s'écoulait par un orifice ménagé à la base du récipient. Trop stylé, ouais, ce Ouais, clepsydre. c'est le truc du sable, quoi. Ouais, c'est un sablier, mais oh. Ok. Et là, je pense que ça définissait vraiment l'heure ou tout ça. Zarma, c'est trop stylé, ça. Ouais. Oh, j'ai mal au pec, frère. Tu peux me faire un petit massage? J'arrive. Yes. Mais Clepsydre. si c'est le cas, il ne serait pas impossible de voir les habitants vouer un culte propre aux outils nécessaires à cette cérémonie. Fin du chapitre. J'ai pas compris, mais en gros. T'es En fatigué, gros, quoi. ça, c'était. On a appris un nouveau mot, donc c'est cool. J'aime pas écouter le contexte, Simon. Clepsydre. Qu'est-ce que Ok, les gars. Extrait numéro 3. C'est toujours le même journal, hein, depuis le début du jeu. Les reliques sacrées des cérémonies. Les objets utilisés lors des rituels sacrés sont communément appelés reliques. Et une partie de ces objets est aujourd'hui vénérée au temple Fulud, ou conservée précisément dans les maisons des trois clans fondateurs. Mais toutes ces reliques ne sont que des apparats, et aucune d'entre elles n'a probablement pu servir lors des rituels macabres dédiés au sacrifice. Pendant la période entre la fin de l'isolement du territoire et la restauration de Meiji, de nombreuses légendes furent perdues. De nombreux objets de culte volés ou détruits. Serait-ce le cas ici aussi? À vrai dire, je ne le pense pas. Les reliques utilisées pendant la nuit de fête dédiée à l'enlèvement des démons et celles utilisées pendant le sacrifice sont forcément conservées dans le plus grand secret. Il est certain qu'elles existent encore aujourd'hui et qu'elles se trouvent à Inamizawa. On l'avait vu, nous? C'est les notes de la blonde là, en fait, ce qu'on est en train de dire, je crois. Quand tu dis ça? Parce que bah c'est son raisonnement à elle, je pense. Tu penses? Ouais. En vrai, c'est possible vu qu'elle était au courant des objets, genre. Ah bah ouais. C'est fort possible. Regarde, D'ailleurs. d'ailleurs, j'ai pensé avoir. Ouais, c'est elle, carrément. Ah ouais. Ah ok, bah ouais. Let's go. La porte du bâtiment était fermée par un mécanisme de serrure très lourd. Et pour une raison qui m'échappe, il était remplacé par un vulgaire cadenas. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui est passé avant. Il devrait pouvoir le forcer et me faire pénétrer dans ce bâtiment sans Ouais, tu problème. vois. C'est clairement elle. Ouais. Je pense que ça veut dire qu'il y a une personne qui est passée avant.
Qui ça a été remplacé par un Tenda. Ouais. Et on, je me rappelle que Fion avait dit qu'elle a entendu des bruits de pas, c'est ça? Non, des... Ouais, des une personne sauter, ouais. À pieds joints. Un enfant, genre. C'est Satoko, frère, c'est obligé. Ouais. Hein. Ryo, c'est la seule enfant... non, c'est... Il y a deux enfants dans le jeu, mais une était forcément pas là. Après, c'est peut-être un autre personnage. Non, il y a les petits qui sont amoureux de Satoko et Erika. Ah ouais, putain, ouais. Les randoms. Pardon, mais... Allez. La seule chose, c'est que la salle de réunion est située non loin de là et que quelqu'un pourrait m'entendre. Mais je n'ai pas l'intention d'abandonner. Bientôt, j'aurai ma chance. Une nuit où tous les habitants du village seront occupés ailleurs. La nuit de la purification du goton. La fameuse. Ouais. Hop là. Donc là, normalement, prochain livre, il y en a encore. Il y en a encore... C'est ce qu'elle a découvert. Il y en a encore deux là. Ok, donc c'est clairement ce qu'elle a découvert et ce que ça veut vraiment dire. Genre. Let's go. Ça, c'est bien ça. Parce qu'elle nous a pas tout dit. La purification du coton. La cérémonie de la purification du coton est une fête annonçant le début de l'été. Ayant lieu depuis une vingtaine d'années tous les ans en juin. En été quoi. Mais si je remonte un peu dans le temps, on se rendra compte qu'à l'origine, c'était une cérémonie bien plus sanglante. Elle nous avait dit ça. Ouais. Il s'avère qu'en fait, la purification était le nom donné à une cérémonie bien particulière, de manière cyclique. Yashiro choisissant une victime. Je l'ai même plus DSR, c'est devenu ma SRAB à force. Tous les fidèles s'entraidaient pour la pourchasser et la capturer. Ce processus était appelé l'enlèvement des démons. Il préparait un festin avec sa chair et la mangeait. Personne n'a découvert quel critère pousser périodiquement la déesse Yashiro à aider une victime. Merde, je l'appelle déesse. Certains anthropologues pensent trouver un rapport dans l'astronomie, mais cela me paraît peu vraisemblable. Dans les temps anciens, les habitants du village d'Onigafushi étaient persuadés d'être des ermites, mi-hommes et mi-démons, ce qui les rendait supérieurs par essence aux autres êtres humains. Ils utilisaient tous les moyens nécessaires pour faire respecter ce point de vue. Il est fort probable qu'il utilisait ces festins cannibales pour inclure l'homme dans la propre chaîne alimentaire. C'est-à-dire une place inférieure à la leur. Ouh, le racisme. Ce n'est qu'une supposition de ma part. Je pense que la cérémonie de la purification du coton n'avait lieu que lorsqu'un changement menaçait l'équilibre de la société fermée et recluse que formait le village. On pourrait considérer cela comme un événement politique destiné à détourner l'attention des villageois de leurs vrais problèmes. Oh, c'est un peu comme ce qui se passe à Wano, genre. Si tu vois ce que je veux dire. Merde, non, bah du coup, je sais pas. Oh, dire plus, Thomas, je suis quoi. My bad. D'ailleurs, j'ai vu un gros spoil sa mère c'est sur quoi le dernier chapitre. Hein. Ah, bah le dis pas, du coup, je l'ai ouais, pas. Bah, ouais, ouais. Le dernier chapitre, le 1050. Est-ce que c'est un personnage? Oui, c'est un personnage, oui. J'ai vu. Attends, c'est un personnage? Ouais, c'est... Ouais, je crois savoir qui c'est, du coup. Ouais. Ce qui expliquerait la nature erratique du cycle des enlèvements. Drôle, ça, frère. J'ai bloqué tous les mots sur Twitter. J'ai bloqué... Après, frérot, c'est pas un très gros spoil. Je te jure que c'est pas un très gros spoil. C'est quoi, Hazard? Ouais, tu peux me le dire C'est la tête de... Momo. Quoi de quoi là? On a pas dû voir le même alors. Je vais pas le dire. Ah, j'ai pas force. Beaucoup de vie donc let's go. Thomas, dis au pire, dis-moi par MP, moi je m'en bats que tu me spoil son. Ouais, j'attends. Tu dis un le moi, nom trop soif. Du gars ou un truc. Ah, j'ai fait le gigaphone, mais c'était comprendre. Ah, ouais, je le sais.
Ouais, bah ça, je me doute. Hein. Enfin, ça, c'était. J'ai envie bah de ouais, te mais dire, quoi, mais genre, peu... c'est vérifié, ça, c'est chiant, quoi. Oui, je comprends le fait que toi, tu sois spoil. Alors que j'ai banni tous les mots, juste le mec qui fait hashtag 1050, et genre, ça tombe dans ma télé pour aucune raison, et je me fais. Mais vraiment, hashtag 1050, genre. Et je vais pas, pas bannir tous les mots, frère. Je vais pas bannir hashtag 1050, hashtag 1051, hashtag 1052. J'ai pas passé toute ma journée à faire ça pour pas être spoil, hein, putain de manga, genre. Faut doser. C'est vrai. Ça pète les couilles. En pire, tu vas juste pas sur Twitter. Ouais, mais non. Ok. Tu me fais chier dans la vie. Et c'est ça que les gars. J'ai déjà trop mal à la voix. L'importance des reliques sacrées. Il est quasiment impossible de trouver des descriptions écrites des reliques sacrées. Ces objets utilisés pendant les rites religieux du culte. Mais je suis sûr que ces objets existent et qu'ils ont des formes diverses et variées. C'est moi. L'une des rares sources écrites qui en parle indique qu'il existait plus de 200 objets pour la seule cérémonie de la purification du coton. La première question qui se pose est pourquoi ? Ah, c'est grand, non ? Pourquoi ? Pourquoi ? La purification du coton servait à disséquer la victime de l'enlèvement des démons pour pouvoir la grailler. On peut imaginer qu'une partie des reliques sacrées servait à maintenir la victime en place et qu'une autre servait à la découper en morceaux. Et ces deux fonctions sont-elles suffisantes pour justifier un si grand nombre ? Je ne le pense pas. Tech 200. Ils abusent du bail, là. L'évolution des objets est dictée par la recherche constante jusqu'à l'obtention d'un résultat ou d'un état désirable. Une fois ce niveau atteint, l'objet n'a plus besoin de raison d'évoluer. Et pourtant, nous sommes là en face d'un nombre qui connut une croissance phénoménale. Surtout que genre c'est une fois par an. Une fois par an et il n'y a que deux mecs qui sont enlevés, quoi. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Lorsqu'une société évolue, de nombreux aspects se mettent à changer avec elle. J'aimerais attirer l'attention en particulier sur le loisir. Les objets dédiés au loisir dans une société donnée sont en constante évolution dans le temps. À la différence des autres objets de la vie courante. L'arrêt de leur évolution signifie un manque d'intérêt en leurs endroits. Et lorsque l'ennui gagne l'homme, il se met à la recherche de nouveaux plaisirs. Ce qui provoque de nouvelles évolutions, de nouvelles utilisations, bref de nouveaux objets dédiés au loisir. Serait-il alors possible de considérer que ces reliques sacrées, si nombreuses, étaient construites comme des objets de loisir ? Oh les bâtards, frère. Ils ont dit aussi... Oh, pff, la guillotine, on l'a trop utilisée. Pas trop envie, ouais. Hop. Ouais, mais ça veut dire qu'ils en créent plusieurs par an, genre, et ils devaient choisir laquelle de nouvelles utiliser. C'était malade mental, wesh. Il faut doser, genre. Faites juste votre travail, genre. Ce n'est qu'une supposition, mais on pourrait considérer que la mise à mort et la dissection d'un être humain était une sorte de spectacle, drama, d'attraction. Pour que le spectateur ne s'ennuie pas, il fallait donc constamment rechercher de nouvelles reliques, de nouveaux objets pour disséquer la victime, qui assurait un intérêt constamment renouvelé. Wesh, mais bon... Cette tâche incombait certainement aux trois clans fondateurs. Je suis presque certaine. Ok, bah du coup, on a la conversation, Maya et Dick. Ah oui, clairement. Que ces instruments de torture se trouvent tous dans le temple des reliques sacrées. Il ne reste plus que quelques semaines avant la purification du coton. Ah, ça, elle l'a écrit avant ? Ouais, bah oui, clairement. Ok. Je serai bientôt capable de percer les mystères des objets rituels, cette cérémonie ancestrale. Même si elle a aujourd'hui changé de nature. Il m'est difficile de garder mon calme. Vivement le soir de la purification du coton. Wachemi, comment tu vas ? Ah non, Isolt, excuse-moi. Comment ça va, Isolt ? Je suis désolé. D'habitude. Non, c'est juste que j'ai ma visibilité de mon téléphone qui est très très basse. Excuse-moi. Hein. Hop. Tac. Ok, les gars, on a fini tous les extraits. Je suis heureux. Je vais pouvoir plus parler. Il y a encore enfin la fête. Ouais, mais c'est plus des livres. Ouais, c'est vrai. Du coup, yes, vous allez parler aussi. Si. Ah, bah en question. Ah. Le brouhaha des conversations
En plus, c'est... De quoi? J'étais sûr que t'allais commencer à parler. Oui. Le bras des conversations remplissait l'air d'animation et de vie. C'était quoi le titre déjà? Enfin la fête. Je t'ai appelé mec aussi, charmant, fils de pute. Je suis désolé, Isolde. Je me suis tout trompé sur tout, sur toute la ligne. Comment tu vas, Maros? Voilà, comme ça, bam. Gamin, faut pas tourner de l'œil dès aujourd'hui. C'est demain le grand jour. C'est toi le gamin. Il faudrait faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Il m'entraîne. C'est à toi, là. C'est à moi, ça? Je sais pas, ouais. Ouais. Ah, c'est pas le pote de Oshi? Ah, normalement, ça serait Thomas, ça, parce que c'est petit ourson, genre. Bah, du coup, fais Konamia. D'ailleurs, c'est un mot dans ce mot normal. Ouais, je ferai de mon yum. Ha ha ha! Oh là là là! Parfait. C'est très bien comme ça, gamin. Bah, écoute, moi, ça va super, Isolde. Merci. Bon, les gars, on a bien travaillé aujourd'hui. Demain, c'est la purification du coton. L'application du coton? Rentrez vite chez vous et dormez bien, vous en aurez besoin pour faire la fête. Attends, soir. C'est Oshi, non? Non, c'est un détective. Je peux le faire vu qu'il y a trois personnages? Ah bah si, je pensais que t'avais marre de parler. Mais... La fête tant attendue de la purification du coton avait lieu demain. Dans une fête, il y a ceux qui viennent s'amuser et ceux qui viennent pas s'amuser, qui doivent l'organiser. Les premiers doivent simplement être de bonne humeur. Mais les derniers doivent non seulement s'y préparer physiquement et mentalement, en plus, régler tous les problèmes d'organisation, de logistique, se réunir des semaines à l'avance pour que tout le monde se passe bien. De logistique. Logistique. Tandis que les uns font la fête dans l'insouciance la plus totale, les autres sont toujours sur le pied de guerre. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est pourtant évident, c'est parce qu'après le travail, la bière est bonne. Non. T'as pas trop, il dort, sérieux, ça me casse les couilles. Ah, pardon. Y a pas en, fait, en fait, y a des moments c'est moi, y a des moments c'est pas moi. Je... C'est le but d'atteindre les personnages en fait. Ah, ça fait vraiment 60 heures que c'est comme ça, Matro là. Non, mais c'est surtout dans le sens où Thomas il le faisait avant, et là c'est moi, et du coup je suis perdu. C'était ça le bon esprit d'équipe. Le bon était. Allez, ta mère. Il fallait bosser dur en pensant à la récompense à la fin. Ah, il est là, le voilà. C'est Oshi. L'inspecteur Oshi se joignit à nous. Tout le monde se tint au garde à vous. Oh, le Shad. Oh. Bonsoir, tout le monde. Vous avez bien travaillé, allons. Je vous en prie, repos. Il m'avait quand même bien manqué. Hein. D'ailleurs, j'ai eu un temps d'adaptation à faire la voix. Ça va, les gars, juste deux secondes, j'enlève mon cul. T'as les bras, frère. Waouh, mais là, t'as... Ouais, j'ai mes oreilles, frère. Oh, mec, on doit tout dire. Monsieur. Ok, 3, 2, 1. Monsieur. Monsieur. On était vraiment pas du tout en rythme, ça, bon. Moi, j'ai pas compris au début, sans rythme. Mes collègues plus âgés me charriaient souvent. Mais aucun d'entre eux ne faisait le malin devant l'inspecteur. C'est qui? C'est qui parle? C'est toi. Non, alors, ils baissèrent tous leur pantalon, tous la tête très bas pour le saluer. Comme s'ils avaient toujours fait partie du même groupe. C'était Wak, son nom déjà. Kurodo Oshi, je crois. Kurodo. Il ignorait souvent les ordres. Ne bossait pas des masses. C'était surtout un vieux de la vieille, bien pépère, qui attendait la retraite. Excusez-moi, ils adoraient les blagues salaces. Il y a pas de raison en fait. Et était très porté sur la chose. Mais mes collègues m'assuraient que c'était un fou furieux, un fou dingue. Et qu'il avait été très radical dans sa carrière par le passé. Enfin bref, une chose était sûre. Le chef du commissariat faisait franchement pas le figure à côté de lui. Aucune prestance, aucun charisme. Oh le bâtard. Messieurs, je vous félicite pour la diligence de votre travail dans les préparatifs pour la purification du coton. Marseille. Tout le monde, c'est un droit, prêtant une oreille timide à ce que leur chef disait.
Tu m'as coupé la parole, je te déteste. Nous avons de grandes raisons de croire cette année encore. Le petit malin tenteront de profiter de la peur panique, de nouveaux incidents, pour commettre le menu larcin en toute impunité. Je suis la bronzée là. On regarde sa couleur de peau, moi. Je compte sur vous tous pour faire des très attention demain. Très attention demain soir. Putain. Et pour faire respecter l'ordre et la sécurité. Bref, j'ai envie de faire. Je t'ai pas coupé la parole en fait, genre. James. Ok, 3, 2, 1. Ah, vous êtes un chef! Bien joué, les gars. Bien joué. Putain. Enfin, c'est parce que j'ai du mal à garder la voix en fait. Parce qu'en fait, je rentre la gorge dans mon corps, genre, c'est bien. Quoi? Ah oui, putain! Ah, ça va bien! Attends, enfin, le but, c'est vrai que rien ne se passe, mais. Regardez, les refs. Super cam. Tu me rends la cam? Ouais, regarde. Enfin, le mieux ce serait de ne rien se quitter. Ah ouais, ok. Ah ouais, d'accord. Juste une chose, les enfants. C'est avec son portable, là, fils de. Mon portable, il est éteint. T'inquiète. Waouh, le tour de magie. Waouh. Wow. Avec son fond d'écran, les cœurs, ça. D'ailleurs, tout à l'heure, je t'ai éteint, mec. Ça faisait trop rire, je suis désolé. Mais tu sais que mon fond d'écran Lakers, ça doit faire 2 ans, il c'est le même. Hein. Ah, depuis okay. que j'ai mon téléphone, c'est ce fond d'écran-là, en fait. Incroyable, mec. D'ailleurs, je l'ai vu, il a vu son téléphone. Il y a un fond d'écran Lakers, je fais là, ça y est, le mec, il a un fond d'écran. Ça fait 2 semaines, il fait du basket, il a mis un fond d'écran Lakers, ça, putain. Non, voilà. Ça veut m'éteindre alors que je n'ai rien demandé, genre. Ouais, non, je sais, ça faisait rire. Tu l'as dit, ça, ou pas? Enfin, le mieux serait de gagner un espace, mais bon, juste une chose, les enfants, ouais, ça j'avais dit. Ok. Donc, ah oui, c'est vrai, ça. Merde. Il est où mon partage? Soit le chat is old. Putain, mais j'ai des frises. Ah, vas-y. Ça me fait mal au dos, les gars. Enfin, le mieux, ce serait de canarer. Ouais, je l'avais lu, putain. Partez d'un principe que oui, il se passerait effectivement quelque chose. Ce serait bien de pouvoir y mettre un terme. Mais bon, à vrai dire, je n'y crois pas trop. Cette semaine encore, cette année encore, nous aurons un meurtre et un enlèvement sur les bras. Oula. Putain, il casse les couilles à parler trop. Sur ce, sûr et certain. Alors, surtout qu'il dit, il dit sûr et certain, genre après, genre moi je suis obligé de. Moi je relis tout le texte comme un con. Parce que t'es pas concentré, mec. Il faut se concentrer. C'est pour ça. Sachez, Bolidana, oui, voilà. C'est toi qui es concentré. C'est toi là, sans tomate. Bref. Concentré d'amour. C'est toi le jus de citron. Oui. Tous les hommes eurent un rire gêné, sauf le chef. Nakasugi, c'est qui? Mais enfin, Oishi, tu ne veux pas dire ça, voyons, ce n'est pas sérieux. Réel? Nous ne sommes pas là pour seulement la nuit de la fête. Je veux que vous alliez au fond des choses. Le Nether? Allez ensuite à une forteresse. Trouvez les blés. Non, c'est pas ça qu'il dit. Vous faites immédiatement des recherches à fond sur n'importe quel truc qui se passerait demain, c'est clair? Mais oui, c'est clair! T'as la rêve de 2013. Je compte sur vous, alors serrez les fesses. Je vais même pas tilter. Je serre les fesses là. Moi non. Oh. Moi non. On va la traîner par les cheveux et lui arracher son masque à la déesse Yashiro. Bah, les oeufs, Yashi! Le commissariat, genre, c'est eux! On va lui arracher les cheveux! Let's go, man! Les gars, plus que un. Nan, d'ici, on cut de stream. On cut de stream? Non, je t'hack. Lendemain de la fête! Tu sais qu'il y a pas une mère pour l'instant. Ouais.
Nous étions au milieu de la nuit. Je crois pas, non. Et la tension était palpable au commissariat. Dans le silence le plus total... Ouais, j'ai un orage. Plusieurs... Ouais, j'attends. Officiers regardaient tous, tour à tour, leur montre et leur téléphone. Kumadani fit alors irruption dans la salle avec quelques jeunes derrière lui. Monsieur Uchi, on a les résultats de l'autopsie. Pépé est là-bas. Je suis prêt. Je suis prêt. On peut partir pour Jifu, quand vous voulez. J'y vais des génies de génie. Jifu. Jifu. Oh, c'est une nounours. Il y a des complications. Il semblerait que l'identification du corps soit très difficile. Quoi? Ils n'ont qu'un morceau? Ah, donc un corps. Ok, ouais. Bah non, mais c'était le premier. Pardon. En fait... Oupinez. Ah non. Le macabre a été cuit et recuit jusqu'à être bien sec. Ah mais il a été cuit. Attends mais quoi? Attends quoi? Non mais non, attends, non, on parle pas du premier alors. Le mec il dit, il comprend pas. Non mais juste je comprends pas dans le sens où comment il peut être cuit genre. Avec du feu genre. Non, mais t'es pas vrai, Non, c'est pas possible. C'était une formulation peu sérieuse, mais qui en disait long sur l'horreur que c'était. Réo, est-ce que tu peux éviter vraiment de respirer sur ton micro, genre? Parle. Les autres officiers poussèrent de longs soupirs. Tu fais l'hyperventilation, là. Oui. Quoi? Oui. Du crâne jusque tout en bas. En bas, là. Les orteils. En bas, là. Tu touches en bas, là. Oui. Carbonisé comme il faut. Il doit... Non mais t'as fait... Non, hein. Il doit schlinguer à mort. Quand voilà. Les pauvres collègues de... Là, il a du sa gamme, il a la tête dans son ventre. Vont puer pendant des semaines. Mon putain de genou. Quoi? Ton putain de quoi? Mon genou de merde, là. Ouais, oh, wesh, wesh, c'est pas marqué ça, hein. J'ai lu déjà, une... Ah, ouais, c'est... Aucun effet personnel est complètement carbonisé. Et en plus, jeté dans la nature, dans une autre province. Ah oui, ils ont pas le temps. Si cela se trouve, sans ce gros coup de bol, on aurait mis une semaine à la retrouver et à faire le rapprochement. Barbecue party. Let's go. En plus, on est en été. Un bon petit kebab humain. Bref, c'était une aubaine d'avoir pu la tracer en une nuit. En ce moment, Komiyama a pris quelques genoux pour réveiller tous les dentistes de la région. Ok. On n'a pas le choix. Il nous faut trouver son dossier médical et comparer ses empreintes dentaires. Non mais putain. Je vais sucer un câble. C'est bon. Ah, dites. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Dites point d'interrogation. Bref. Quel apostrophe 1 peut aller acheter deux paquets D apostrophe ultra mild ultra interrogation. Ultra mild. Ah, des genoux se leva illico presto et courut au prochain distributeur. C'est des... comment ça s'appelle? Des trucs quand t'as la chiasse. Non. Contre son camp. T'es en train de dire que c'est magnifique la chiasse? Non, j'ai... pardon, contre mon camp. Ah, ouais. Ah, il s'est fait cramer. Bon, j'ai la chiasse sa mère, là, j'arrive. Cette année, on l'a trouvé. Si ça se trouve, les victimes disparues ou... des... Cette année, on l'a trouvé. Oui. Si ça se trouve, les victimes disparues des autres années ont subi le même sort, vous croyez pas? Oui. Oui. Non. Il l'aurait enterré. Non, mais là, y a plus ou d'effort, bien là. Resté et balancé dans la mer. Ou dans un lac. Bah, trop, je vais t'enculer, là. J'en ai marre. Mais alors? Pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi, en fait? Pourquoi? Jusqu'à présent, il y avait un mort et une personne disparue à chaque waf. Waf? Ouais, mais alors, mais pas du tout. Mais pas du tout. Non, nurse. La victime a été retrouvée carbonisée dans un vieux baril en fer. Sans marque de séquestration. Je pense qu'ils l'ont cramé exprès. Après
avoir fini avec elle. Elle fut agoula. Quitte à ce qu'on trouve le corps. Mais alors, cette année, il n'avait pas l'intention de le cacher ? La cacher. Pour Wak ? Non, je pense qu'ils ont... Oh non, le nom, je suis pas désolé. Non. J'ai eu un certain monsieur Z dans la tête. Barbecue party, putain. J'ai eu un... Non. Je pense qu'ils ont essayé de faire complètement autre chose, en fait. J'ai presque l'impression qu'ils veulent qu'on sache qu'ils l'ont tué. Non, mais là, c'est Spider Cochon, là. C'est plus... Uh-huh. Oshi. Une tentative d'intimidation, alors. Oh. Je croisais l'érable et poussais un long soupir de frustration. Oh. Oh. Oh non. Si. Oh. Si on avait trouvé le... Ah, je peux pas le faire, moi. C'est toi, hein. Si on avait trouvé le corps dans le coin, je dirais pas. Pas. On dort et est parti chercher des clopes il y a 3 ans. Bref, on peut reprendre. Moi, c'était du lait. Mais là, c'est vachement loin. C'est carrément une autre province. Ouais, c'est ce qu'il disait, ouais. S'il avait voulu s'intimider, il aurait balancé près des Inamizawa. Moi, il est parti chercher les enfants à la piscine. Ils veulent nous montrer qu'ils l'ont tué. Mais le lieu du meurtre est trop éloigné pour faire... On est un effet dramatique. Cette année, j'ai bien l'impression que la déesse Yashiro sait pas trop ce qu'elle veut. C'est pas sérieux comme travail. Non, il est en train de noter le travail des tueurs, là. Ah, lui. C'est pas très bien cuit, cette... Le silence lourd fut interrompu par la sonnerie d'un téléphone portable. Ça fixe. L'un des officiers décrocha. Chat. Zar, pardon. Chef, j'ai commis à main. Oh là. Un traitement pour les dents de sagesse il y a 3 ans à la clinique d'Okinomiya. Pas content. Oh, comme c'est bizarre. Comment est le dossier médical? Comme c'est bizarre. T'es pas drôle, t'as pas les hosts. Ah, tu m'as host et c'était boum. Oh merde, je suis désolé. 14 personnes. Non mais wesh. On est 14, wesh. Wesh. J'aime bien tous les gars. Attends, mais Esteboum, c'est le boss? Tiens, je suis désolé, frère. Je pensais que j'avais les notifs, j'ai dû les désactiver. Oh, faut faire des raids, mais t'as désolé. Des activités notifs de raids, ça? Bah pourtant, non, mais quand je crois pas. Quand je t'avais raid la dernière fois, y'avait pas de soucis. Merde, bah je suis désolé, bah bienvenue à tous et merci à toi, Oustouben. T'as joué à GTA Extinction là? J'ai host par raid, c'est pour ça. T'as host par raid? Ah bah ouais. Ça doit être pour ça. Oh. En ce moment, les refs, là, on joue un petit jeu visual novel un peu horreur. Mais bon, bref, vous avez pas trop bien compris ce qui se passe là. Bonne soirée, mon ref. Bisous. Ouais, j'ai le Florian 59. J'ai le Florian, ouais. Bonne soirée. Écoute sans la vidéo, bah t'es un chien, mec. Non, ça tu peux mettre dans les paramètres. Ouais, je sais, j'ai vu. Vas-y, continue, mon ref. Je l'ai déjà dit, comment il est dossier? Je suis désolé. On a une radio avec une empreinte très nette. Change de voix à chaque fois, lui. Hein. C'est vrai que. Pou. Yes. Je suis désolé d'avoir dérangé le dentiste du coin en pleine nuit, mais ça nous aide bien. Nounours, va chercher le dossier médical et reviens, on y va. Attends. Bon toutou. Il y a eu un follow, mais je sais pas c'est qui. Bah merci pour ton follow anonyme. Non, c'est cette Mowgli. Cette Mowgli, bah écoute, c'est Mowgli. Merci beaucoup pour ton follow. Ou c'est Mowgli, je sais pas comment on prononce. Cette Mowgli, ouais, effectivement. Si. Hop. Et voilà, toi, c'est bon. J'ai passé un dialogue, non? Tu caisses? No way. Oh non, Jeff! Pardon.
Oh chef, merci d'être venu ici, il travaille si tard. Il est encore chargé devant. Hein. Oui, attends, c'est bon, ça a bugué et il a sprinté la phrase. Hein? C'était incroyable, mec, sur Discord. Ça a bugué? Ouais, en, fait, ça fait. Ça fait. Eh, chef! Oh merde! Non, mais c'était incroyable, mec, hein. Tu n'as pas à te, te justifier. Ok, ok. Let's go! Vas-y, vas-y. C'est qui Takasugi? Désolé aussi, je suis en retard, on en est où? Je dirais que les choses sérieuses vont commencer. Je boucle de savoir ce qu'il va se passer maintenant. Wow. Attends, mais c'était Mario quand il meurt. Incroyable, ça. Putain, il était très très long cet indice. Indice. Ça fait combien de temps que je stream là? Une heure et on a fait tout. Mec, j'ai la rediff parfaite, spécial indice, incroyable. Incroyable. T'as vu? On joue un peu la, l'aventure principale ou pas? Si vous êtes chaud. En fait, je. Comment ouais. Je pourrais dire ça? J'ai peur que ça prenne beaucoup de temps, genre. Ouais, moi aussi, j'ai peur, genre, on est reparti pour une autre heure. Genre. Ouais, ouais, mais si vous voulez, on peut couper en plein milieu, c'est pas très grave. Hein. On fait ça plus. Ouais, mais c'est ouais. Quand pour tes rediff aussi, tu vois? Ah, mais je m'en branle, moi. Moi, je peux y avoir. 23h au pire. 23h. Oh, comme c'est bizarre! Comme c'est bizarre! Fin du chapitre 7. Mais je le fais vraiment trop bien, je crois que j'ai. Y'a un souci dans mes gènes. Est-ce que t'es Zemmour? Par pur hasard. Est-ce que j'ai Zemmour? Genre, il est derrière toi ou un truc comme ça, genre? Oh, attends, mais mec. Attends, mais Thomas, tu te rappelles de ça? Hein? Thomas, il a la ref si je lui dis imprimante 3D, Zemmour. Oui, oui, attends. Voilà, il a la ref. Oui, ouais, c'est bon. J'avoue que j'ai hésité à l'imprimer en 3D, un peu comme le Zoro Octopus. Ah ouais. Que j'ai toujours sur mon sac d'ailleurs. Bah, si les mecs, écoute, je sais pas quoi dire, je suis un peu gêné. Bah, je vais juste lire le dialogue. Je baillais à m'en décrocher la mâchoire. Quelqu'un peut faire un petit exemple? Tu feras attention, Zor, t'as 345 vues sur ta dernière vidéo. Putain, fuck. Ah non, sur ma vidéo. Putain, j'ai été chercher loin, ça va. Il était loin. Lorsque, enfin, j'avais pu trouver le sommeil. Vas-y. Tu me souviens en plus, bande de bêtes. Exemple de sommeil, les gars, à demain. Vas-y. Le réveil avait sonné. Vas-y, les gars, qui parle le réveil. Ma daronne posa les bols sur la table avec un sourire moqueur. Elle m'avait qu'aimant. La nuit a été course. Comme moi. Je me suis couché un peu après minuit, mais impossible de m'endormir, ce bébé. Comme toi? On m'a trop fait de la fête. T'étais encore trop excité ou quoi? Oh putain de merde. J'engloutis, légumelé, saumuré, pour mettre fin à la conversation. Ok, on se barre dans le plus grand des calmes. Genre, je me rappelais la toute dernière chose dont m'avait parlé Ish. Elle avait soi-disant entendu comme un enfant sauter à pieds joints sur des planches un peu plus au fond du temple. Je n'avais pas réussi à l'oublier de la night. Du coup, elle avait été très longue. Bref, j'avais passé mon temps à m'effrayer au moindre bruit dans ma chambre et dans la maison. Non mais, il est parano là. La lumière du matin et le chant des oiseaux me faisaient bien prendre conscience que quelque part, j'avais simplement eu peur d'une... Mais je ne suis pas pourquoi. Je n'étais pas rassuré. Peut-être parce qu'il y a mort devant chez toi. Voilà. Bonjour, Keshi. Bonsoir. Tiens. Ben, t'as les yeux tout rouges. Sasuke ? Il y a... Ah, oh, salut. Je sais pas pourquoi j'ai un mal fou à m'endormir, SB. Et donc j'ai pas assez dormi, c'est logique. Bye.
Ok, mais il n'y a pas beaucoup d'entrain, ça reflète bien le personnage, c'est bien. Je me suis bien amusé, moi, hier soir. T'en bats les couilles. J'étais tellement content que moi aussi, j'ai du mal à m'endormir. D'ailleurs, elle est encore et toujours excitée. Pardon, ça fait rien. Si seulement on faisait cette fête plus souvent, pardon. Ouais, si on faisait cette fête plus souvent, ouais. Il y aura beaucoup de morts, quoi. On s'amusait tout le temps comme des fous. Ouais, t'as raison. Le mot « te fait » avait ravivé des souvenirs que j'aurais préféré oublier. Ah. Shabam, flashback. L'intérieur du temple des reliques sacrées était bien plus angoissé que l'atmosphère paisible et agréable qui régnait pas partout à Inamizawa. Et puis il y a eu l'histoire effrayante que Takano nous avait racontée. Chaque année, des choses étranges se passaient le soir de la purification du coton. Une personne mourait et une autre disparaissait. Apparemment, il avait un rapport avec de vieilles légendes d'Inamizawa. Un truc avec des démons et des ogres mangeurs d'hommes. Le sang des démons coulait dans les veines des habitants d'ici. Ils faisaient parfois des festins cannibales. Pour cela, il leur fallait d'abord prendre une victime dans un village voisin. C'était l'enlèvement des démons. Puis il y avait le sacrifice rituel pour apaiser la colère de la déesse Yashiro. Et bien d'autres choses encore. Rien que d'y penser, elle me rendait malade. Bah, c'est pas trop le... Il est pas trop calme, du coup. Le repis, c'est que ce n'est pas du pipeau, mais des faits avérés. Enfin, après tout, c'était de l'histoire ancienne. Pas la peine d'en avoir peur. Un clic. C'était du passé, tout ça. C'était vraiment hier, hein. T'as le passé, Hiro. Waouh. Ok. Fille, t'es en retard, je trouve. Et tu pouvais pas te pute, genre. Si, attends. Non mais, avant. Fille, pardon. Nous étions déjà arrivés au croisement où nous récupérer Fion tous les matins. Perdu dans les pensées, je n'avais même pas remarqué. Normalement, si elle n'est pas là à cette heure-là... Oh putain, je suis censé aller à l'école sans attendre. À l'école. On fait wack. Attends, Fion n'est pas là. Yes. Merde, ce n'était pas si rare d'avoir arrivé en retard. Mais jamais d'autant. À nouveau, les histoires sanglantes de la veille me revinrent en mémoire. Encore, putain. Il va crever cette année. Qui va disparaître. Non. Quand même pas Ifion. Bah attends, mais Fion, elle vient de Inamizawa, non. Attends, Ouais, là, donc y'a pas de danger, non. C'est impossible. On fait quoi. Shikai. Non, mais la dernière fois, c'était le délire avec... Mais du coup, on n'a jamais su qui avait été tué par Tommy. Non, qui avait tué Tomitake. La DSI Hashiro. Pas ça, genre... Les gens du village, quoi. C'était... Non, mais moi, je pense que c'était Reina, genre. Non, c'est bizarre, mais non. Je pense que c'était Reina. Ah, concours, ouais. On est mort, hein, dans le truc de... À la fin, on s'est fait buter aussi, c'est possible. On s'est fait buter par Reina et on se grattait. Va te gratter, Tomitake. Après, il y avait Reina et Fion, hein, les gars, dans le truc. Hein. Les et deux étaient ensemble, non. Pardon, mais j'étais en train de boire de la concurrence. Elle va venir. Elle n'a pas appelé pour te dire qu'elle reste à la maison, si. Ou alors, attendons encore 5 minutes. OMG. Oui. Reina regarde sa montre et fit une petite moue, mais un sourire éclatant revint très vite sur ses lèvres. Si on part dans 5 minutes, il faudra courir vite pour arriver à l'heure. Soudain, une Fion, tout essoufflée, apparut dans ma ligne de mire. Fille. Tu t'es en retard. Ah ah.
ha. Ouais, je sais. Bon, j'ai joué le, j'ai aussi joué le retard dans son Jabal. Pas roleplay. Ah, c'est... Mais pourquoi vous m'avez attendu? Oh, le roleplay à son max en fait. Excuse-moi. Il arrive en courant, genre. Je t'avais dit que je pouvais aller devant. Très très roleplay là, c'est très très bien. Elle avait l'air complètement hors d'haleine. Oh le bâtard, il a dit qu'il y avait une haleine de merde là. Comme moi. Je confie. Pourtant, elle navigue pas loin. C'est juste là-bas, après le virage. Pourquoi est-elle aussi fatiguée? Elle faisait des pompes, je pense. Tu n'es pas rien. Deux? Elle a pas dormi de... Eh hey, mais... Rena a placé sa main sur le front de If. Viens. Tu as les mains froides, ma ref. Ma ref. Non, c'est toi qui a de la fièvre. Ah. Mais non, c'est rien. Mais comment elle peut savoir qu'elle a de la fièvre, là? C'est un thermomètre humain? Bah, si elle brûle, genre. Ça, s'il te plaît. Ah pardon. Ça partira tout seul si t'apprennes. Mais non mais genre moi là moi j'ai mis là sur mon front et c'est tiède. Parce que t'es pas malade mais genre tu peux pas le faire à toi-même genre. Ah ok. Ah bah oui je suis con. Parce que c'est en fonction de la température de ton corps. Ouais c'est vrai. Et si c'est supérieur à la tienne. Attends gros, attends, strat. Ah ouais. Ça c'est pro. T'es sûr? Non j'arrête de faire le guignol. T'es sûr? Te force pas hein. Putain ma gourde. J'ai... Tiens donc. T'as bien joué. Depuis quand tu t'inquiètes pour moi, toi? Boah. Elle a pas dans mes amis. Ha ha ha. Merci, c'est gentil. Ce n'était pas son style de dire des choses normales. Elle devait être gravement malade. Non, tu devrais vraiment pas te forcer. Oula. Tu parles pas à la maîtresse si tu veux. Ouais, elle la regarde comme ça, genre. Elle la juge. Ouais. Mais non, tout va bien. Scooby. J'ai pris des médicaments, frère. Lâche-moi, là. Après, des médocs. Ce sera vite passé, mec, je te dis. J'avais quand même l'impression qu'elle se forçait à sourire. Oh, ne me dis pas que... Non, je vais en dire maintenant. Si, bon, alors allons-y, il y a la théorie. Est-ce que je dis de la théorie? Ah, c'est probable, elle va crever dans sa journée, genre. Non, c'est... Elle est pas bien parce que Chion n'est pas rentré. Ah, peut-être, ouais. Parce que Chion, on connaît rien d'elle, quoi. Mais ils habitent ensemble. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment sa sœur? Personne ne l'a prouvé. Moi, je vais à un dossier médical, là. Bref. Allez, vas-y. Tu l'as déjà dit? Ouais. Ah bah, excuse-moi. Non, on a plus trop le temps. Vite, courez. Mania Watai. Belle. Catcha. La journée démarre sur les chapeaux de roue, dites-moi. Moi. 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 C'est exactement ce qu'il me fallait. Allez, zou. Zoulette. Allez, ouz. Elle devrait pas faire ça, Zubi, si elle est malade. Mais trop tard. Mais trop tard. Elle avait déjà dératé comme un lapin. Bien sûr, tu ne l'as pas de combat. La fille la plus âgée des élèves, la FKFI. Je rappelle qu'elle a 15 ans. Mais non, t'as 18. Rena, non, j'avais lu dans un de mes commentaires. Fion, elle a 15 ans et nous 14. Ah, ok, ah ouais. Ouais, on est deux jeunes. Oui, si elle dit que tout va bien. Attends, donc Fion, elle a 15 ans là? Normalement, ouais. C'est pas possible. Bah, moi je crois. Bon, après, il m'a dit ça, mais. Bah moi je le crois quoi parce que ça a l'air d'être pro genre. C'est qu'elle n'est pas l'article de la mort. Au pire on regarde maintenant là son... Vas-y, son... Vas-y, bon bah alors allons-y nous aussi. Ok. Mion.
Gurashi. Ça peut spoil, hein. Faites gaffe, ne regardez pas le game. Regardez pas. 17 ans, ah bah non, tu vois. Ah bah tu vois. Et Shi là 14 ans. Hein? Oh la carrue de giga chat, gros. Regarde. Sur le stream là. Dame. Wesh. Putain. Là il est beau. Vas-y, bref. Nous la suivîmes dans sa course folle vers l'école. Vers l'école. Oh putain oui, on va vite. Le train-train quotidien de l'école était toujours le même. C'était dur de rester attentif. Sauf que je n'avais pas assez dormi. S'il y avait une compétition du meilleur pionceur en cours, j'aurais gagné haut la main. Dans ce genre de situation dangereuse, le truc c'est de tenir son crayon de papier à l'envers. Se planter, genre. C'est sûr, c'est ça. Pourquoi? Dites-vous, pourquoi? Ça, s'il tombe, il se le plante dans l'œil. Voilà. Pour ne pas laisser de traces bizarres sur le cahier, okay. Dit par. Si vous laissez la pointe bien vers le haut, pas de risque de laisser une preuve que vous avez bullé. Bah, tu vas vraiment écrire sur ton visage, du coup, si. Bum bum bum, il fait le... Mardesha Jutsu. Bum 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 bum, palapalapalapal. 1 puis 2 puis 6 petits objets entrés en collision avec mon crâne. Ah ouais. Ah, il ne montait pas bien, Sakoto. Ah, Koto, ça. Pour le saut. Ah le putain. Si. Ah. Non, mais j'ai vu, Alti. C'est qui? Mais c'est lui qui l'a fait là. Allez, vas-y, à toi, à toi, maintenant. Mais enfin, vous allez pourtant rien fait. C'est que veux-tu que ce soit d'autre? Tiens, Tago, hein, secret. Hein? Oh, ça a tresmé? Ouais, ça a tresmé. Oh, what the fuck? Quoi? Elle est tout le temps aigrie, elle. Dans mon dos, la tresmé se tenait, prête à péfra à nouveau. Ses mains tenant des morceaux de craie comme étant de lames de rasoir. Comme... Lame de rasoir, les gars. Ouais. My bar. Je sais plus, c'était moi qui la faisais. Je nettoie mon... C'était sûr, wesh. Ouais. Bah, te laver la figure. Les gars, je l'avais déjà, ouais, je suis un devin. Ok, Magic, pense un truc. Stop, tu pensais au mot ciseau. Oh putain, non. C'était pas loin. Hein? Non. Ah, oui, tout de suite, avec plaisir. Du coup, c'est tellement menaçante que je préférais partir de la classe en courant. Ok, bolos. Quitte à me laver, j'ai décidé d'aller au lavabo, situé dehors pour profiter du soleil. Oh, le fait. Hey, garçon, monte dans la voiture. Oh, mec. La lumière et la chaleur étaient intenses. Content quand là. Difficile de croire que nous étions en juin. J'ouvris le robinet et un mince filet d'eau, pas vraiment fraîche, se mit à couler irrégulièrement. Si je laisse couler, j'aurai peut-être de l'eau bien fraîche. Oh le gaspilleur. C'est qu'on en fait tout ça. J'attendu quelques instants. J'étais sûr que tu choisirais ce robinet. Mais elle sèche aussi là. Peut-être Ish. Ouais. Attendez, j'ai pas compris. Bah, y'a Fion dehors, juste. Ouais. Okay. C'est mieux ici qu'au WC1. Oh, le WC. WC. La World Cup. Bah, et moi. Mec, j'ai cru que c'est toi qui faisais ma dit. C'était moi. C'était la VO qui disait bah, et moi. Ah, ok. Alors. C'est pas bien. Spider-Z, c'est pas bien de sécher les cours. Casse les couilles à dire Spider-Man. Spider-Z. Je mets mes mains dans l'eau. Elle était glacée. Elle était glacée. J'en prie pour me lever et pour me rafraîchir. Oui,
me tarde du côté. J'en prie aussi un peu d'eau pour se rafraîchir. Puis, tu es sûr que c'est bien pour ton coup de froid? Mais elle était pas chaude? Ben, sans fond? C'est pas bizarre. Tu es fatigué à cause de tes médicaments, non? Non, belé. En fait, c'est un secret, d'accord? Hier soir, après la fête, il y a eu une réunion de famille et... Ah, c'est bourré la gueule, Zobby. Ah bah j'ai un peu abusé sur l'eau claire. L'eau claire c'est quoi? C'est de l'alcool, Zobby. D'accord. Okay. Enfin, c'est la vodka, genre. L'eau claire. Ouais, Chemi. Elle fit mine de kipper une coupe de saké. Ah, pas ouf le saké, d'ailleurs. J'ai jamais goûté. C'est pas... Mais alors, c'est pas un coup de froid? Plus? T'as la gueule de bois. Faut pas prendre de médicaments. Et t'as quel âge juste toi? Ah non. OMG? Ah, pas dire. Non, arrête, s'il te plaît. Je me sens vraiment pas bien. 20 kilos, ah oui, c'est beaucoup, Emiko. Bah ouais, tu m'étonnes. Sauf que c'est différent. Un malade, tu le ménages. Un soulard, non? C'est moi qui me fais du souci comme un idiot. Quelle perte de temps. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. Enfin, c'est bientôt, ça. Fion se gratte à la nuque. Pardon. En détournant le regard. Franchement, faut... 20 kilogrammes. C'est bien, ça. La prise de masse est mise. Worse. Elle avait vraiment l'air mal en point. Mais si c'était juste une gueule de wab, il n'y avait pas à s'inquiéter. Elle s'en remettra automatiquement avec le temps. Canard, what the fuck? Mais j'ai vraiment mal à la tête, hein. J'ai mal à la tête. La maîtresse m'a donné la permission de partir. Oh, sa tricheuse. Réel. Bah alors tu rentres à la zombie là? Des marches de canne. Marches. Malgré Zobé. Je l'ai regardé à nouveau et remarqué maintenant qu'elle avait son cartable à la main. Putain le blaze, le carnage, j'ai pas entendu depuis le CP genre. Le cartable. Oui, elle était prête à partir. Oui. Pas de Doliprane, elle y a l'alcool Zobé. Ah bah ouais. Assumer, oui, désolé sais. Pour vous. Yeah. Oui, ça je l'ai dit. Pardon, excuse-moi. Mais aujourd'hui, je vais rester au lit, bien sage. Je m'excuse pour le club. C'est bizarre, on la voit plus beaucoup. Ouais. Pas trop expert que je le vois. Tu peux prendre ma place de chef pour aujourd'hui. Non, mais je suis pas expert en gueule de bois, je suis expert en migraine en fait. Je suis juste expert en migraine, genre peut-être que j'en ai presque toutes les semaines, genre. Tu l'as dit ça, Matic? Je pense que les autres ne voudront pas jouer. Oh, si, ok, excuse-moi. Ils ne voudront pas jouer une seule fois quand Reika devait s'entraîner. C'est vrai, ça manque en vrai? Pas du tout! Pour quelqu'un à peine, ce n'est pas la peine. C'est bien, les gars, avancez dans le store, faites pas des jeux là. Sinon, on se mit à rire, disant qu'on n'avait pas à s'en faire pour ça. Mine de rien, c'était une belle preuve d'amitié que de refuser de s'amuser, sans en faire partager les autres. Le club qu'elle avait fondé était vraiment formidable. Romain, mon visage était presque déjà sec. Nous avons discuté un petit moment. Je devrais retourner en classe tout doucement. Bon ben, salut alors. Remets-toi bien, Zobé. Oh merde, la maîtresse attend sûrement. Je voulais préchoter. Fais attention sur le chemin du retour. Il y a des voitures blanches, je te plante pas dans le décor. Arrête, voiture blanche. Je me retournais. Attends quoi? Non, la voiture blanche qui a voulu nous écraser dans le chapitre 1. Ok. Je me retournais et me mis en route vers l'intérieur du bâtiment. Je pensais que ça avait évoqué une voiture en fait. Ah, en fait, petit gars. Je tournais simplement la tête pour voir ce qu'elle me voulait. Et au lieu de veux,
J'ai une question à te poser. C'est pas super important, alors. Te prends pas la tête. Te prends pas le chou dessus. Ah, mais. Quel gars ? La question. Mais. T'inquiète, question. Matro, tu penses que, mais... que ça va être quoi la question ? Est-ce que tu ressens quelque chose pour moi ou pour ma sœur ? Ok. Et Tom, Mike, tu penses que c'est quoi ? Soit sur Chion, soit sur... Ah, t'aurais pas été dans un temple, genre... un truc avec des reliques secrètes ? Ok. Ah, bien vu. Ok, ok. L'un ou l'autre ? Ok, ok. Tu peux dire ce que je pense ou pas ? Vas-y. En vrai, ça se rapproche peut-être d'une théorie, mais je pense qu'elle va demander... Si on a déjà léché les deux boules d'un mec ! Excusez-moi les gars, putain, il fallait que je fasse sa blague, c'était super long. Bien vu mec. Bah pose ça, je verrais bien. Oula. Hier pendant la fête. Ah presque les gars. Tomitake et Takano. Ils sont morts en fait, ils sont morts. Je me raidis instantanément. C'est toi qui raidis. Tu aurais dit ouais. Tu sais qui c'est quand même ? Ce sont les deux avec qui tu parlais le soir des préparatifs. Ah mais du coup ils sont encore morts putain. Non pas forcément, okay. Mais ils ont fait des conneries je crois. Je voudrais oublier au plus vite la nuit où nous étions introduits dans le temple. Ça m'énervait d'entendre parler d'eux à chaque fois. J'avais du mal à rester calme. Mais surtout, il y avait un truc que je ne comprenais pas. Pourquoi est-ce que Fion me posait-elle la question ? Je restais à la regarder comme un idiot. Incapable de répondre. Je n'arrivais pas à deviner si elle me posait la question, obtenir l'information ou pour vérifier si je lui mentirais ou pas. Hier, tu dis. Je crois, peut-être. Si on n'était pas content de ma réponse, c'était trop vague, il faut croire. Je ne savais pas ce qu'elle attendait de moi. Ouais. Bon alors j'ai une autre question. Hier soir pendant la fête. Tu as vu Chion par la suite ? Je l'ai trop en de caméra là, à un moment donné. Encore une ouaf, mon palpitant. Il y a un bond dans ma petite. Ah, le palpitant, non. Sa question n'était pas innocente. Mais tu m'as demandé ça hier aussi, non ? Je t'ai dit pourtant que je savais pas. Je sais. Oh ! Je me disais que peut-être aujourd'hui ta réponse serait différente. Sans. Son regard était devenu bizarre. De retour. Un peu comme possédé. Mais les gars, j'ai l'impression que dès qu'on passe la DCHLO, il se passe des dingueries dans le jeu. Des dingueries. D'abord Tomitake, puis Takano, puis Chion, et enfin moi. Pas d'erreur possible. Ce sont les quatre personnes qui se sont introduites par effraction dans le temple des reliques sacrées. Qu'est-ce que ça pouvait lui faire ? C'est pas comme si on allait être maudit. Si justement. Enfin, Chion et Takano m'avaient dit hier que ce n'était pas vraiment une malédiction. En fait, les habitants du village étaient les responsables. Mon sort se figea. Si ça se trouve, Fion, c'est... Elle sait que nous sommes entrés dans le temple ? C'est pas si improbable. Après tout, j'avais allumé le disjoncteur principal et la lumière par la même occasion. Ah mais quel culé, sérieux. Même si elle n'avait pas été qu'un court instant, il était tout à fait possible que des gens, carrément Fion, l'eussent remarqué. Elle nous regarde encore en mode... Ah non, ça... Tu es sûr que tu ne l'as pas rencontré ? Mais pourquoi c'est si important ? Pas vraiment, mais bon. Il y a des gens... qui racontent des choses pas très glorieuses sur vous quatre. Des gens. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont, personnellement. Des sueurs froides me coulaient le long du bras et goûtaient au sol depuis mes doigts, dans un bruit assourdissant. Je ne crois pas que tu aies fait quelque chose de mal.
Mais je voulais juste te demander directement, histoire d'avoir ton point de vue. Si je t'ai vexé, je te demande pardon, d'accord ? Je ne savais pas quoi répondre. L'absence de réaction était pire que tout. Kaela disait long. Mine de rien, mais je ne pouvais rien faire d'autre. Tu n'étais ni avec Tomitake, ni avec Takano, ni avec Shion. C'est bien ça. Ce n'était pas grand chose, mais c'était toujours comme ça. On retrouva le sourire. Je suis rassuré alors. Il a dit quoi ? Il a juste dit... Ça fait deux. Je leur dirai. Je suis rassuré alors, je leur dirai. Je dirai aux autres que tu n'as rien fait de mal. Je suis sûr qu'ils comprendront. Ouais, dis-leur. Personne n'a fait de la... Putain, incroyable les gars. Oh putain. L'heure. Ouais, ça fait le dealer, le... Non, même pas, dealer. Ouais, je sais. Dis aux autres que je n'ai rien fait. Personne encore ? Putain, ah quand même. Aux autres. Aux autres ? Mais de quels autres ? Mais de qui elle parle en fait ? Nani ! Bon, j'y vais. Je serai en forme demain, je te le promets. Je pense qu'elle a pas dormi parce qu'elle nous a sonné toute la nuit. Salut. Salut. C'est pour ça qu'on n'a pas réussi à dormir d'ailleurs. Attends, Fion. C'est qui les autres ? Je sentis alors une main glaciale m'enserrer la nuque. La prof. Oh putain. Eh bien alors ? T'es en retard, Mahibala ? Je t'ai dit d'aller te laver le visage, pas faire une randonnée. C'était juste la maîtresse. Je devais être sacrément en retard. Ah, je m'excuse. J'ai croisé Fion quand elle sortait et on a discuté un peu. Mais Fion est à l'intérieur, voyons. Je me retournais et vis que Fion avait déjà traversé la cour. Était déjà hors de l'enceinte de l'école. Bah non. Si, si. Tu penses ? C'est quoi ? Ah, que c'était Fion, genre ? Que c'était Fion avant ? Non. Ok. Allez. Bah, en vrai, peut-être. Hein, mais... Retourne à tes leçons. En vrai, ça serait bizarre. Pourquoi elle ferait ça ? J'avoue. Et dépêche-toi. Mais même, Fion sera en cours. Ça n'a aucun sens. Bah ouais. Donc là, là, la prof aurait juste dit, bah non, Fion est en cours. Ouais. La maîtresse m'entraîna dans l'école. Ou alors, c'était Chion depuis le départ, genre. Genre, c'est elle qui est venue à l'école. Ouais, mais du coup, elle serait Fion. Ou c'était Fion qui était avec Keishi, Takano et Tomisake. Ah, peut-être. Ça, tu vois. Ah bah non, elle est venue après, mais non. Non. La maîtresse... Bah, m'entraîna dans l'école. Lorsque je me retournai à nouveau, Fion était complètement disparu de mon champ de vision.